Chuchumsogi. Les pieds doivent être parallèles, distants d'un pas et demi, donc légèrement plus grands que les épaules. Attention, gardez vos pieds bien parallèles. Évitez les pieds comme ça, évitez les pieds comme ça. Mettez les pieds bien parallèles, ce qui est difficile quand on s'assoit dessus au début. Faut bien vous asseoir dessus, même si c'est fatigant pour les cuisses. Le dos doit rester bien droit. Évitez de pencher le dos en avant, voire en arrière. Au niveau des pieds, d'accord ? Avec vos genoux, essayez d'avoir un alignement vertical du genou et des pieds. Évitez les genoux vers l'intérieur. Poussez bien vos genoux sur l'extérieur. Les mains, si elles ne font rien, seront évidemment à la ceinture, comme pour donner un coup de poing. Nacho Asogi, vous écartez un petit peu vos pieds. C'est simplement distant de deux pas au lieu d'un pas et demi. Donc on se retrouve un petit peu plus grand. Et on s'assoit évidemment un petit peu aussi bien dans les cuisses.